toute dernière information était collectée, te mettait des CPJ sous piste divers suspects. Plusieurs unités étaient sur pied de guerre pour opération yo. BLTS, BRI, SWAT, avec plusieurs autres unités, t'es procédé à arrestation Clifford Brandt. Il était arrêté dans la maison Mazda. C'est un membre influent dans la société, ça. Et c'est un suspect très important dans le dossier kidnapping. Après, elle t'a fini de répondre à une question enquêteur. Clifford Brandt n'a pas hésité à prendre disposition pour mener la police quand elle t'a séquestré otage. Sans perdre de temps, une autre opération t'a planifiée pour y sauver otage. Toute unité t'a accompagné présumé kidnappeur et prend route permis pour aller dans la caille qui t'a servi comme appât. Sur un petit matelas. Un petit moment d'émotion te saisi, monsieur Damio, qui pas trop comprendre ça que tu as passé autour de vous. Mais tout ce qui est police qui a été rassuré et vous te reprendre confiance. Angelus, les convois t'ap essayé dans mitan en pile trafic rentrer dans bureau des CPJ. Et c'est avec un pile émotion, avec des pleurs de joie, de soulagement que famille te recevoir petit yo. En quelques mots, yo expliquer dans quelle situation te trouvé yo dans dernier jour ça yo. Nous bail permis, nous bail licence, nous bail papier machine. Et fait descendre machine, yo fouille toute machine net. Après ça yo dit nous nous en état d'arrestation, machine en état d'arrestation, nous ne pouvons pas mener dans la caserne. Ils ont forcé nous à rentrer dans la machine, même les. Nous avons dit, est-ce que nous avons les parents, ils ont dit non, montez dans la machine. Ils ont forcé nous à la machine, et puis après ça, ils ont dérapé. Mais si vous prenez nos laptops, nos téléphones. Mais nous avons l'impression de prendre, nous avons un iPad, nous avons l'impression de prendre. Parce qu'il était bon pied, l'aime des chitards. Et l'aime nous sortir dans la machine, la fouiller là, et puis nous croire, il y a l'impression de moi. On va changer effectivement côté à l'ensemble. Nous sommes allés descendre au bout de boudon, après ça, nous virer. Nous croire, c'est Nazon, mais nous pas fini sur c'est Nazon ou bien Christophe. Mais il y a une autre route. Il y a pas une route dans ce bout de boudon qui paraît sous Delma.
Delma à côté de la station nationale. Et puis après ça, les gens qui ont fait Delma, ils ont remonté et ils ont traversé pour aller en Delma. C'est-à-dire qu'ils ont viré pour remonter et ils ont viré à gauche. Et puis après ça, nous conduit. Nous venons vers un côté, nous connaissons un bon point que nous disons que c'est la bataille. Mais je ne sais pas nous zone ça, je ne pas connaît. Et puis, yo, nous prenons un paquet de petites routes que nous ne pas faire un côté de nous, je ne pas connaître, nous faisons loin, jusqu'à ce que nous arrivions dans le cadre. Secrétaire d'État Sécurité publique, là, M. Réginald Delva, tu es déjà sous place pour accueillir victimes. Il profite pour l'expliquer tout ce qui est mené à aboutissement enquête ça et renouveler le support gouvernement à la police nationale pour continuer à combattre les bandits. On a un réseau de kidnappeurs qui ont opéré depuis quelques temps, surtout qui est impliqué dans le trafic de stupéfiants. Et le réseau, ça a fait un pile de famille crier, il a ruiné un pile de famille, il a endetté un pile de famille. Donc nous pensons que l'idée est importante pour que la présence nous. Et la population, comment il est important pour que au plus haut niveau que le gouvernement impliqué dans le travail. Ça fait combat contre les phénomènes qui ont gagné en contre l'opération que la police menait le matin et 23 octobre, là, pour le matin, côté que la RIV libéré deux jeunes et qui ont été kidnappés le 16 octobre dernier sur le bloc. Donc, et plusieurs arrestations effectuées, mais nous sommes capables de permettre que nous comprenions tout et fonctionnement réseau ça. Et une fois ça, nous sommes capables de nous aller très haut dans la hiérarchie que nous sommes capables de réseau, dans la mesure où M. Clifford Brett, qui était représenté un élément important dans le réseau, est arrêté et hier après-midi, qui a mené à libération et otage dans la police et famille et Bretland qui s'est massacré. Donc ça te permet que justement de commencer à comprendre le fonctionnement réseau et qui t'a pas mené dans un deuxième temps à libération otage. Et cependant, la police a continué à mener l'opération, elle a continué à traquer les criminels. Nous connaissons que son réseau qui fait un pile monde crié, qui gagne un pile membre et en dedans. Donc un pile membre qui a été identifié, la police va pouvoir continuer le travail là. Mais l'important c'est que pour mener la population, travaille avec la police. Et pas oublier que le kidnapping a été fait le 16 octobre, dans pile monde qui dit que c'est des policiers qui étaient faits. Et voilà, aujourd'hui, les témoignages sont clairs et la police réagit rapidement pour les essuyer quand même pour montrer effectivement que c'était des gens qui étaient commettés et raide la police sur eux. Et peut-être qu'il y a des policiers dans le réseau et tout ceci sera quand même bien établi dans le cadre de l'investigation. Mais ça qui est important pour nous comprendre que la population est impliquée, leur famille collabore avec la police, pas qu'il n'y ait pas de résultat. Donc là, encore une fois, c'est une grande victoire pour la population. Voilà un réseau qui, depuis longtemps, tapé, opéré et dans le pays. Et moi, je crois que cette fois-ci, nous arrivons quand même toucher un élément important. Nous sommes capables de dire l'un des principaux et responsables de ce réseau, et à la personne de M. Clifford Brett. Et également, il y a d'autres arrestations. Nous avons cherché activement au niveau de la justice et l'ancien inspecteur de police. Et il m'a promis que mon capitaine de l'a justement fait pour faire coucou rouge et indiquer la police côté que M. Premier capable de cacher. Et c'est là encore une fois, nous menons la population pour participer, pour que sans lui-même pour comprendre que pas bien cap possible, pas bien cap faire. Si je dis à tête ou en bas, c'est où qui cherche elle? Depuis qu'il a fait ça, pour qu'il soit fait, pour qu'il soit baillé, il y a tout problème ça. Yo. Nous disons qu'il était métier ça. Nous n'avons pas gardé là, mes amis. C'est une grosse tête, une grande famille haïtienne, non, oui? Mais l'un qui savait, il t'a dit qu'il y a un nom noble. Je dis, ah, maintenant qui sale malazal prend. Moi-même, je ne peux pas cacher pour personne. Moi, toujours dis nous, qui c'est code pit, code cabrit, code cochon. Li ka rentre nan tèt n'importe moun. Mais exemple là, alors sac de yo range kon nou. La guerre averti, patouye ni kokobe ni pied cassé. Comment dit?
police a beau belle dent. Mais souvent mal tout, la police a denti. Alors la police d'Haïti, qui c'est organe officiel PNH là, a prêté très réactif pour informer population sous évolution situation. La police a respecté délai de garde à vue pour voyer le parquet, le cabinet d'instruction pour enquête là qui a continué pour démanteler groupe gang Sayo.